Bon, j'étais dans la cuisine. Je voulais être sûre et donc d'écouter la radio. Donc la radio est dans la cuisine. Voilà, c'est tout ça. Et voilà, c'est tout. Et j'étais seule, si vous voulez savoir. Comment j'étais habillée? Non. Le Nobel n'a pas encore beaucoup de réalité pour moi, je dois dire. Mais je sens, c'est vrai que je sens une responsabilité nouvelle. Bon, cette responsabilité, c'est de continuer à un combat contre les injustices, quelles qu'elles soient, qu'elles concernent... j'emploie le terme injustice, bon, on pourrait décliner autrement, mais donc tout ce qui est une forme d'injustice par rapport aux femmes, par rapport ce que j'appelle les dominés, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour que les femmes puissent choisir d'être mère ou de ne pas l'être. C'est un droit fondamental. Et c'est bien parce que c'est la plus grande, je veux dire, la contraception et le droit à l'avortement, ce sont c'est la matrice de la liberté des femmes. Bien évidemment, je suis tout à fait pour que les femmes se révoltent contre cette contrainte, parce que c'est une contrainte absolue. Et que le crime dont les policiers iraniens se sont rendus coupables, c'est un crime dont je me dis que dans 50 ans, si vraiment le mouvement qui est actuel féministe se poursuit et qu'il n'est pas réprimé, va changer les choses et qu'on se dira mais comment est-ce possible que des choses comme ça se passent.